Recettes fiscales. La DGI mobilise plus de 1 000 milliards au troisième trimestre 2024. Administration digitalisée de la TVA, enjeux et perspectives. Thème central du séminaire bilan du troisième trimestre 2024, présidé par M. Adama Koulibaly, ministre des Finances et du Budget, tenu le jeudi 17 octobre 2024 dans un hôtel de la place. Le ministre des Finances et du Budget était accompagné de ses plus proches collaborateurs, notamment Mme Minafou Fanta Koulibaly Kone, directeur de cabinet de M. Vasongo Bamba, directeur de cabinet adjoint, à cette rencontre de travail de la Direction générale des impôts qui a réuni les membres du comité de direction élargi, des sous-directeurs et chefs de service désignés. La modération des débats qui ont meublé cette rencontre a été assurée par M. Yao Kandésiré Lambert, directeur de la formation et du renforcement des capacités. Avant l'entame des travaux, M. Bié Yélémin Gildas, chef de brigade à la direction régionale Abidjan Sud 1 et membre du comité d'éthique de la DGI, a procédé à la lecture et au commentaire du 10e principe de notre charte d'éthique intitulé la loyauté. La loyauté est la qualité d'une personne qui se conforme scrupuleusement à la loi en rapport avec son statut, son lieu de résidence, sa fonction, ses activités ou ses responsabilités. La loyauté impose à l'agent des impôts des obligations particulières. L'agent des impôts s'engage à travailler avec dévouement et dans un esprit de franche collaboration. Dans son allocution, M. Ouattara Sié Abou, directeur général des impôts, a salué la présence de M. Adama Koulibaly, ministre des Finances et du Budget, à qui il a traduit sa fierté et sa grande joie de le recevoir à ses assises, de même que la gratitude de la DGI pour les efforts constants déployés afin de trouver des solutions aux problématiques financières et budgétaires de l'administration fiscale. Monsieur le ministre, votre présence à nos côtés témoigne de l'intérêt que vous accordez à l'administration fiscale, votre administration, à nos activités. Et votre précieux et constant soutien ne nous a jamais fait défaut dans l'exercice de nos missions. La Direction générale des impôts, par ma voix, monsieur le ministre, tient à vous témoigner sa profonde gratitude et vous assurer de son engagement à vos côtés afin de relever les nombreux défis auxquels notre département ministériel est appelé à faire face. Par la suite, il a également fait une présentation et un commentaire des résultats du troisième trimestre 2024. Sur un objectif global de 1 116,4 milliards, les recettes collectées par la Direction générale des impôts s'élèvent à 1 019,5 milliards sur la période cumulée de janvier à fin septembre 2024. Les recouvrements effectués par l'ensemble de nos services se chiffre à 3 168,3 milliards pour un objectif de 3 343,9 milliards, soit un taux de réalisation de 94,7%. Toutefois, il convient de préciser que par rapport aux résultats de l'année 2023, à la même période, ces résultats s'établissait à 3 168,3 milliards. Et donc, les réalisations à la fin du troisième trimestre 2024 dégagent un taux de progression de 11,4%. Ouvrant le séminaire, M. Adama Koulibaly, ministre des Finances et du Budget, a transmis ses chaleureuses salutations aux participants. Il a exhorté l'ensemble du personnel de la DGI à redoubler d'ardeur afin d'accroître significativement les recettes en donnant quelques orientations. Il est impératif d'intensifier nos efforts pour améliorer la mobilisation des recettes de l'État. Cela passe par un assainissement rigoureux du fichier des contribuables afin d'éliminer les anomalies et de garantir les statistiques
fiscal qui soit le plus fiable possible. Il est également crucial d'élargir l'assiette fiscale, notamment en augmentant le nombre de contribuables et en améliorant le recouvrement de l'impôt foncier. Le recouvrement des arriérés fiscaux, qui représente un enjeu majeur avec près de 1300 milliards de francs CFA non recouvrés, doit être accéléré en utilisant pleinement les dispositifs légaux en place. Nous devons également renforcer les actions de contrôle fiscal et poursuivre la modernisation de notre administration en accélérant sa digitalisation afin de rendre nos processus plus efficaces et accessibles. La mise en œuvre des réformes fiscales convenues avec nos partenaires internationaux, notamment le Fonds monétaire international, est aussi essentielle pour garantir la stabilité de notre économie. Enfin, la promotion de l'éthique et de la discipline au sein de nos services est primordiale. Au demeurant, l'éthique et la discipline sont des valeurs complémentaires au thème qui vient d'être développé sur la loyauté. J'en appelle à la responsabilité de chacun d'entre vous pour renforcer l'encadrement des équipes et garantir le respect des valeurs d'intégrité. Monsieur Adiko Innocent, directeur de la stratégie, des études et des statistiques fiscales, assisté de Monsieur Ngessambrou Choumou Serge, sous-directeur de la prévision et des statistiques, et de Monsieur Kako Guillaume, chef du service d'analyse des statistiques des recettes fiscales, a présenté les résultats du troisième trimestre 2024 et les perspectives pour le quatrième trimestre 2024 en trois points. Contextes et éléments de gestion, réalisations et analyses, perspectives pour le quatrième trimestre 2024. Oui, le secteur primaire, ça a été revu légèrement à la hausse. Mais en revanche, le secteur secondaire, les secteurs textiles qui nous produisent le plus de recettes, les prévisions de croissance ont été revues à la baisse. Au niveau des mesures de politique et d'administration, il y a deux grands axes. Il y a d'abord les mesures qui ont affecté notre performance. Le premier pavé, ces mesures, il s'agit de l'aménagement du taux sur la taxe de publicité foncière. Il y a une baisse, donc naturellement, les recettes attendues, on a perdu 1,1 milliard. Il faut également signaler que au niveau de nos recettes globalement, les paiements par chèque ont connu une augmentation à fin septembre 2023 au détriment des paiements en ligne. La présentation du thème central du séminaire a été introduite par M. Boni Alex, conseiller spécial du directeur général des impôts, et par M. Kone Yaya, conseiller technique du directeur général, et faite par M. Kwame Yves, chef du centre des téléservices fiscaux. L'administration digitalisée de la TVA est une dématérialisation complète de bout en bout de la déclaration de la TVA et de l'implémentation ou de l'automatisation des règles de gestion de cette taxe-là. Premièrement, l'objectif, c'est d'inciter les entreprises à une plus grande conformité fiscale. Le deuxième objectif, c'est de sécuriser la déduction des TVA qui s'opère lors du processus de déclaration.